avec Portela Palais, justement de Donnarumma qui mettait la gauche en direction de Ricardo Rodriguez. Le soulèvement de Ricardo, est-ce que je vois la guette arriver? Nicolas Kalinic, il fait contrôle là et la faute au dépend de Nicolas Kalinic, madame, monsieur. Faute commise par Boutian César dans défense équipe et dans défense équipe Kiev Environ. Nous allons suivre intervention Boutian qui t'a empêché à ce que Nicolas Kalinic progresse sur action 1. Et déjà, c'est prêt à le Yoko Fran avantage. L'équipe milanaise là n'a pas gardé porte. Équipe Kiev 1. Monsieur Sorrentino n'a pas gardé cage. Équipe Li. Monsieur Balka va mettre ballon 1. Sans le doute avec et Lucas Biglia. Monsieur Bototel pour que l'I capable mette ballon le Kounye. Vraiment, c'est prêt le ballon avec équipe milanaise. N'a pas gardé vraiment porte. Équipe Kiev Environ. Monsieur Stefano Sorrentino. C'est prêt à le couvrir avantage. Équipe milanaise là. Est-ce que vraiment Milanais ont deux traits pour le journal de Scoglan à Cannes, Salano Goulotuk, il est capable de mettre le soulèvement, ballon repoussé de la tête par un joueur de l'équipe, le Kiev finalement se balance avec Salano Goulotuk toujours sur le côté gauche, passe en avant, contrôle, passe en retrait du côté Milanais, bien joué ça avec Ricardo Rodriguez qui mettait le second frappé sur l'axe, qui tentait de mettre la surface là, ballon repoussé de la tête, deuxième balle avec l'équipe de Kiev Verona, contrôle, bien joué ça. Nous, ouais, côté que pour Chiarelli lui-même, perdu contrôle ballon 1 et entre-temps gagné. Et capitaine équipe Milan Seigneur, Lucas Biglia qui retient à tête cap, tordé de douleur vraiment. Monsieur qui était touché sous action ça. L'a regardé Lucas Biglia, l'arbitre central, monsieur Marco Di Bello. Nous allons suivre intervention en main. Et comment M. Debrecoulpien Melital frappé avec défenseur Milanayan. La personne à Mathieu Moussa qui met tout de ses argentins. C'est prêt à le Yoko Fran avantage. Équipe Milan Asseyan Amgade vraiment. Lucas qui finalement relevé pour que le capable continue pour tes couleurs. Équipe Lycée en ballon. Avec Romagnoli mettez-le sur Ricardo Rodriguez qui joint Alessio Romagnoli à nouveau. Qui allait à droite de face là, vers Matteo Moustakio. Moustakio toujours au contrôle, passe en retrait avec le portier Napalé, justement de Donnarumma, mettant l'avant ballon, les caisses cap privé, contrôle manqué, deuxième balle avec l'équipe, le Kiev, mettait en retrait avec Porcellin, ballon dégagé par Stefano Sorrentino, qui mettait ballon, les caisses cap privé finalement, c'est prêt à le ballon avec l'équipe qui va vivre en Nogue la droite avec Fabrizio Cassia. Qui mettait le passe en avant, deuxième balle en déviation, monsieur cherche un partenaire libre, finalement tu mettais la position avec Kavir ça qui se met de passe maintenant, récupération Milanais pas pour longtemps, ballon dégagé finalement par un joueur de l'équipe de Kiev, ballon ça qui filait en touche après que Nenad Latorovic t'a tenté redresser, caché ton ballon pour l'équipe et Kiev Verona passe en retrait de David de Calabria avec Matteo Moustakio qui s'appuie nettement en retrait avec Gianluigi Donnarumma, le dernier rapport d'équipe du Milan. Monsieur Pral capable de mettre le ballon 1. Libre tout elle, mettez le devant là. Petite passe vers Donnarumma. Donnarumma à nouveau. Libre tout elle, mettez l'avant, mettez le maintenant. Contrôle manqué finalement. Et image est arrivé pour équipe qui vont ballon contre. Les filles touchent l'avantage. Équipe Milanaise là. Avec Sousson, mettez le rapidement. Côté que le joint de la position ça. Lucas Biglia. La déviation de Salanoglu vers Biglia. Vers Frère Kessien. Avec qui Matteo Moussakio, la position ça c'était bien. Allez sur Romagnoli qui était là avec Ricardo Rodriguez pour Romagnoli. Romagnoli Moussakio. Moussakio toujours la passe en avant droite. Contrôle bien joué ça. Le prolongement du côté milanais. Le soulèvement de Gemeno. Est-ce que Ricardo Abgué est arrivé? Et là nous c'est Fabio Borghini qui arrive qui Rodriguez cette trajectoire ballon 1 pour équipe Milan Seignan. Qui mettait en route de l'axe vers Romagnoli qui tente de mettre là pour Moussakio. Moustakio droite avec Soso qui fait déviation. Bien joué ça. Monsieur capable de mettre ce qu'on gagné. Soso le soulèvement mais nos ballons contre. Qui est-ce qui a privé? Deuxième balle avec l'équipe. Et le Kiev, on a regardé vraiment. Côté que monsieur lui-même, Sergio Pelissier, qui s'est capable d'être football ça. Pas de capable de contrôler le ballon. Est-ce que Borghini a bien arrivé? Oui. Contrôle avec Fabio Borghini qui a été habitué. Dit que pas de faute. Finalement, c'est pas l'entrée. Touche l'avantage. Équipe locale. L'équipe de Kiev, on a rappelé. Non, même 10e journée championnat d'Italie, gagné hélas Vérone, les mêmes qui tombaient 3-0 face à l'équipe d'Atalanta de Bergame. Est-ce que vraiment équipe qui est les mêmes, Papral sauver l'honneur pour la ville de Vérone, monsieur Pral capable de mettre le ballon, regardez vraiment.
Monsieur en cap en pile défenseur équipe qui est environ c'est pral un coup franc avantage équipe et Milanais après que monsieur défend pour faire ça au départ de Fabio Borini et Noé à Cannes qui sous ballon le pral tête soulever le mettre le ballon regarder tout Ricardo Rodriguez qui est ce qui pral frapper exactement pour équipe Milan Seigneur c'est Rodriguez qui mettait le soulèvement pour qui est ce pour personne est-ce que ballon ça sorti et finalement c'est pral l'autre touche d'avantage équipe qui est environ Monsieur Pral capable d'exécuter, rentrer touchant sur le côté gauche. Namgade Nenatonovic, cap journée défense, équipe Kiev Rouen. Namgade tout était majeur. C'est Pral entrer touche, madame, monsieur, avec Nenad pour que l'équipe de Kiev Rouen, qui peut tout pour que l'équipe capable de mettre le ballon déjà. Nam salue tout le pays qui brechait. Télé 4x4, télé Maman Pemba, télé Guinée. Antenne de Jal Cable 69, 10e journée, Série A italienne. Kiev Verona Milan c'est passe en retrait du côté de l'équipe milanaise avec Donnarumma mettez-le à gauche en direction de qui Ricardo Rodriguez cap monté balle au pied le soulèvement de Carlo mettez là sur le rond des droits est-ce que Calabria qui était verrouillé contrôle avec David Calabria le centre capable gol mais non ballon capté finalement par le porte n'a pas les bien de Stefano Sorrentino qui relance très rapidement déviation manquée ballon dégagé finalement par un joueur de l'équipe et du milieu le ballon dévié de la tête pour un joueur de l'équipe de Kiev finalement ce ballon avec Ivan Radovanovic qui mettait le vers Nenad qui allait à droite en direction de Fabrizio Cacciatore qui mettait le ballon dégagé par Sentino ballon repoussé pour un joueur de l'équipe du Milan déviation du côté milanais déviation à nouveau est-ce que Borini a été verrouillé oui contrôle avec Fabio Borini toujours pour l'équipe du Milan mettait qui joue Ricardo Rodriguez en retrait avec Alessio Romagnoli de la défense de l'équipe du Milan qui quittait le ballon mesdames monsieur c'était bien avec Moussa Kyokjona Romagnoli, son partenaire à défense à gauche avec Ricardo Rodriguez. Le prolongement la passe de l'axe de Borini Tejona Biglia qui font mauvais contrôle. Récupération, madame, monsieur, dans cette position avec pour Chiarelli qui se mettait le bien joué ça du côté de l'équipe de Kiev Verona. L'ouverture à droite avec Walter Birsa, KPC monté. Le prolongement était la surface de jeu pour l'équipe du Milan contrôle. Passe avec Cacciatore capable de centrer. Le seul avant déviation de la tête. Ballon dégagé, bien joué ça. Défenseur là, retiré gol là. Milan était capable de chauffer sur sa frappe. Mais bonne prise de balle avec Gianluigi Donnarumma, madame, monsieur. Qui t'a suivi? Et là, vraiment, Milan était capable de chauffer sur l'action ça. Nous allons recevoir en phase de jeu avec équipe locale là. Mais côté, monsieur, t'es ici, mais là, avec Cacciatore. Ballon et déviation de la tête là. Et là, c'est bien Romagnoli qui retire ballon, le dit. Ou pas qu'il n'entre dans les amis. C'est vraiment le ballon avec équipe Milanaise là avec Romagnoli mettez la gauche avec Ricardo Rodriguez Vincenzo Montella levé capé monsieur notre ballon avec Ricardo qui mettait dans la direction de qui là c'était bien sous son mettait gain faute au départ de porteur de balle équipe Milan ancien ou monsieur le même qui était à terre finalement sous son prêt à le relever pour qu'elle capable de continuer pour tes collègues qui nous allons le suivre et frappe ça qui était capable sans doute tromper porte équipe Milan Seigneur c'était bien une frappe de la part de Ivan Radovanovic qui a joué avec Dossard 8 ans sous couleur équipe qui est environ c'est pral yon couvre l'avantage équipe milanaise là est-ce que vraiment milanais yo pral jouer à tout ce qu'on lance comme ça n'a pas gardé Sorrentino et la caisse qui pral frappé sentir que c'est ça la glou le soulèvement déviation mais non ballon ça qui passait au-dessus après des actifs de déviation de la part de Matteo Moussa qui ont c'est pral le relance au 5 mètres avec Stefano Sorrentino la poursuivre vraiment côté que Moussa qui était mal reprend le ballon. Matteo Moussakio, défenseur équipe Milan Seigneur, 10e note de jeu, 0 pour l'équipe de Kiev Verona, 0 pour l'équipe du Milan, passe l'avant maintenant, bon placement de Franck Kessier, qui mettait en profondeur la déviation de Nicolas Kalinic qui joue à Cannes, frappe de Salanoglou, mais ballon ça qui passait au-dessus, c'est prêt à le relance, au 5 mètres, au 5 madame, monsieur, l'avantage équipe Kiev Verona poursuivre, passe à Franck Kessier, mais une déviation Nicolas Kalinic là, pour Cannes, nous, qui tape cher. Chez vraiment
espace pour que le capable de frapper en main. Frappe qui dépassait largement au-dessus. C'est prêt à le relance avec Stefano Sorrentino, le porteur de l'équipe de Kiev. Qui est-ce qu'a voulu que Valence a sorti? Oui, c'est prêt à l'autre touche. L'avantage équipe Kiev environ sur le côté droit avec Fabrizio Cacciatore avec Jeune de Yon. Ballon joué par Cacciatore, habite les smakers. T'es gagné faute au départ de Fabrizio Cacciatore et carton jaune. Et pour Fabio Borini, et nous, qui fait faire blé avec défenseur latéral droit, équipe Kiev Iron. C'est pral, yon couvre l'avantage, équipe Kiev Iron, c'est premier carton jaune. Le match football, ça, nous allons poursuivre intervention Fabio Borini pour que le t'empêche à ce que Cacciatore mette ballon en avant. C'est pral, yon couvre l'avantage, équipe Kiev Iron. Monsieur Matin, pour que yon capable de mettre l'âme gardée là vraiment. Sergio Pellissier qui c'est capitaine, équipe Kiev Iron lui-même tout. Et cap suivre comment Magayo pral passer là. La relance de Bodiana César. La défense équipe qui vont ballon repoussé de la tête par David Calabria sous Fernandez pour l'équipe du Milan. Avec les mecs que t'es gagné faute de la au dépend de sous Fernandez. Et finalement, c'est pral. Yon couvre un avantage. Équipe Milan assez un propre territoire. Monsieur Bal capable de mettre rapidement. C'est le avec Matteo qui mettait en route avec Portier de Nauma qui capable de mettre la couche de Vosna vers Alessio Romagnoli. Qui joue dans Ricardo Guest toujours à gauche, lui capable de mettre de l'axe, mais non, lui préfère mettre en avant, ballon repoussé de la tête, qui est-ce qu'a pris anticipation du côté de l'équipe de Kiev Environ, passe en route, qui est bien joué ça, lâché ballon droite, passe dans cette position avec Gamberini, qui tente de mettre le prolongement, bien joué ça, du côté de l'équipe de Kiev, pas pour longtemps, récupération milanaise, pas pour longtemps, finalement, c'est le ballon avec équipe Kiev Environ, mais anticipation du joueur milanais, anticipation de David Calabria, qui est-ce qu'a pris couverture avec Matteo Moussakio qui dégage Calvet en avant. Finalement, deuxième balle avec Bodian César dans la défense. Équipe qui va en passe en avant. Contrôle manqué. Récupération avec Biglia Metel. La passe de Borini. Contrôle manqué. Finalement, équipe Milan KPC sur une position ça avec Sousso. Sousso Fernandez. Sousso toujours pour l'équipe du Milan. Limité par Samir Abitla qui sortit à ce que tu as faute. Et oui, et Abitla va le faire sortir carton. Et n'a pas gardé vraiment. Père Paris. Et image lui-même qui estime que l'hypothèse fort au départ de joueur équipe Milan et carton jaune pour Père Parim et image le milieu de terrain d'équipe de Kiev Environ nous va le suivre face de jeu à mes côtés vraiment monsieur le même l'été stoppé de façon irrégulière joueur équipe Milan la personne à Canassala Noglou et l'arbitre que c'est monsieur Marco Dibello les amis fort capable qu'il ça dans mes voix c'est pour le Yonkouf un avantage équipe Milan enseignant, et là vraiment nous connaît, yon pied gauche, t'es capable de faire bien avec équipe milanaise là. Est-ce que Ricardo Pral frappe ou bien, sous ce bus que nous connaît, Ricardo de Guest, l'issue joueur qui gagne qualité ça, mais nous va gagner, sous Fernandez lui-même tout, cap place ballon là, semble-t-il que équipe Pral frappe pour équipe Milan enseignant, 0 pour Kiev Overon, 0 pour Milan c'est dans quelques secondes, c'est Pral, 15 minutes de jeu, nous saluons tout pays qui branché, télé 4x4 là, télé, maman, pimba, télé, Guinée, antenne, c'est déjà le câble 69. N'a pas gardé vraiment. Et sous Fernandez, est-ce que l'hyperal mettait directement dans la cage là? Fanatique Milan, t'as aimé que me les goals soient action ça. Et vraiment, danger pour l'équipe de Kiev Environ. Danger pour Kiev. Est-ce que monsieur Obrel capable de mettre le ballon? Nous, là, monsieur, après tout, tel pour que l'y capable de mettre le finalement. Et c'est sous son mettre le ballon ça qui passait à côté. Et c'est pour le relance au 5 mètres. C'est un avantage équipe qui va environ avec Portéan. N'a pas parlé justement de M. Stefano Sorrentino qui est capable de relancer quand libre tout tel pour que lui capable de mettre le ballon. La relance de Sorrentino pendant que nous saluons Basse Case Stress qui pas j'aime pas brécher. Télé 4x4, télé Mombimba, télé Guinée. Contrôle avec Kafka Kessier qui joue une bonne mettre l'avant. Contrôle avec Nicolas Kalinic. L'ouverture à droite vers Sousso. Sousso, il faut le surveiller, le soulèvement. Qui est-ce qui avait ballon c'est de la tête, deuxième balle. Ballon dégagé finalement par un joueur de l'équipe. Et de Kiev Environ, finalement, il a dit que t'es gagné faute. Et là, vraiment, monsieur Marco Dibello, le pave, les garçons, qu'on la garçon, non, de vous toucher à l'aigle. Il faut ce problème. Ballon joué en avant.
Mais maintenant, bon placement de Ricardo Rodriguez pour l'équipe du Milan capable de mettre la retrait. Bien joué, ça, Ricardo, qui joue dans la défense là. Monsieur Alessio Romagnoli avec monsieur Napalé de Matteo Moussakio, droit de défense équipe. Milan, c'est capable de mettre en avant Matteo Moussakio pour l'équipe du Milan. Passe en avant, ballon repoussé, qui est capable de deuxième balle. Déviation pas pour notre récupération avec l'équipe du Milan. Monsieur Gain, la droite avec Calabria, qui tente faire prolongement avec Sousso. Sousso, pied gauche, l'effet dribble, conservation. Sousso toujours le centre, ami hauteur, ballon repoussé. Est-ce que là, vous voyez, oui, Sousso à nouveau pour l'équipe du Milan. Sousso, l'idée de faire dribble là, centre, déviation, mais non, ballon dégagé, qui est capable de deuxième balle. C'est ballon avec Calabria, mettez le pour Franck Kessier. Franck Kessier, dribble, capable de tirer un goal. Frappe de Franck, ballon contré. Finalement, équipe Milan, c'est cap, mettez pression à ce que Milan ait compris l'important pour que vous soyez capable vraiment d'augmenter le nombre de points dans la compétition. C'est un ballon à droite avec David Calabria. Centre, qu'est-ce qu'un ballon dégagé finalement par Botian César dans la défense d'équipe qui environne. Récupération milanaise avec Moussakio. Avec le joueur boulevard et faute. Franck Kessier, mais non pas qu'à gaspiller ballon mieux que ça, jeune homme. Et finalement, ballon ça qui finit toujours l'avantage. Équipe Milan, c'est à droite avec David Calabria. Mettez l'amgade pour Diabo Sousso. Cabaye, toutes les mêmes pour équipe Li. La passe de Romagnoli vers Ricardo Rodriguez. Mettez l'accent section de Akana Salaneglou. Salaneglou toujours en route, que madame, monsieur, avec Alessio Romagnoli pour l'équipe du Milan qui joue à Matteo Moussakio. Moussakio capable de mettre le passe de l'axe vers Franck Kessier. Franck Kessier le soulèvement. La cherche Borini, ballon poussé de la tête. Ricardo Rodriguez à la récupération en route avec et qui s'est bien dans l'axe. Franck Kessier toujours contrôle conservation. La cherche au partenaire libre. Lui capable de mettre le passe vers Sousso. Mettez là le prolongement contrôle avec Nicolas Kalinic qui mettait le pour David Calabria. Petit passe vers Sousso capable de tirer. Frappe à la non, ballon ça qui passait à côté. Ballon qui passait légèrement à côté, vraiment, qui était capable de tromper pour cette équipe qui est Vauvéronne. N'a pas suivi frappe là. Et là, n'a pas suivi l'action ça à côté que vraiment. Et nous voyons comment monsieur t'a laissé mettre, mais frappe qui était contre tout avec un frère Kessignan. C'est pas le Eurolos avec Stefano Sorrentino pour cette équipe qui va mettre en avant. Contrôle, madame, monsieur, du côté de l'équipe de qui va décimer que c'est une faute de la part de Matteo Moussakio. C'est prêt, nous voyons vraiment Sergio Pellissier, qui est capitaine d'équipe, qui va quitter, subi faute ça de la part de défenseur milanais. Matteo Moussakio rapidement, c'est votre avec l'équipe de qui va gagner propre territoire. De l'axe avec qui n'a pas les bêtes de Lucas Castro en jeté le ballon là, la passe à droite en direction de qui c'était bien Cacciatore mettez ballon qu'est-ce que la déviation vers Fabrizio Cacciatore qui est capable de mettre en avant ballon poussé de la tête par Romagnoli deuxième balle avec Lucas Biglia pour l'équipe du Milan joue longue la cherche Nicolas Kalinic ballon poussé de la tête pour jouer de l'équipe de Kievo contrôle avec Cacciatore qui mettait la route avec Portignan Sorrentino ballon dégagé par Sorrentino contrôle Portignan avec Biglia qui mettait le pour Franck déviation vers Ricardo toujours il fait dribble conservation est-ce qu'il prend la droite oui c'est ce qu'il fait exactement vers David Calabria avec Sousso Fernandez pour l'équipe du Milan il fait contrôle vers l'intérieur centre ballon poussé deuxième balle et finalement ballon ça qui finit touche un avantage équipe Milan c'est madame monsieur sur le côté droit monsieur prêt capable mettre le 19 minutes de jeu dans quelques secondes c'est prêt le 25 minutes 0 pour Kievo Vérone 0 pour l'équipe du Milan pendant qu'on absolue tout le monde qui brèche depuis Cap ici on a mis un fort liberté Cap Pretibulio sans problème tout le monde a l'imbé balimbé Cap Pretibulio sans problème sur le terrain télé cap 4 là plein du nord du coup du nord c'est que ballon madame monsieur droite le prolongement mais non ça a pas bon Matteo Moussakio c'est prêt à le rentrer touche un avantage équipe qui est environne sur le côté gauche sans le doute avec Nenad Tomovic qui prend capable mettre le contrôle mais qui est-ce qu'a privé de viation en retrait vers Nenad qui essaie de changer le côté à la droite est-ce que ballon qui est arrivé, mais couverture passe au trait de la tête. Ballon capté finalement par Donnarumma, le portier de l'équipe du Milan qui relance rapidement de la main de la défense en direction de qui n'a pas les justement et de Romagnoli. Nous avons KPC monté là, la cherche au partenaire. Il était là à gauche de votre avec Ricardo Rodriguez. Ricardo toujours qui était mettre la droite. Est-ce que Pizza est arrivé? David et Calabria, oui, contrôle avec Calabria capable de mettre le paquet centre. Mais non, Calabria, ou bien mon va s'ouvrir le
soulèvement, nouveau ballon poussé de la tête, qui escape le deuxième ballon. Intervention de la tête du côté de l'équipe de Kiev de la défense. Passe en route qui est droite vers Katia Touré, capable de mettre en lui fait contrôle, mettez la route. Ballon dégagé par Alessandro Gamberini. Intervention du côté milanais. Finalement, équipe Milan, c'est monsieur Yo. Et qui est gelé acheté ballon ça là. J'ai un compte papa. Il a tenté de mettre la à droite vers Suso. Suso Fernandez. Le contrôle de Suso capable de tirer. Suso toujours passé de la surface. Contre Colmen, non. Ça n'a pas bon. Nicolas Kalinic pas à l'aise. Ballon dégagé. Déviation de la tête de joueur de l'équipe de Kiev Environ. Finalement, monsieur mettait ballon 1. Non, position ça avec Walter Birsa. Qui mettait le passe en retrait. Équipe Kiev 1. Monsieur Café, c'est OK le ballon. Il a gagné la gauche. Le prolongement. Bien joué ça. Avec Père Paris était majeur. Qui tentait fait prolongement. En direction de qui n'a pas libéré de Sergio Pellissier. Le gardien de l'équipe de Kiev. Qui va doubler. Mettez la route avec Père Paris. Qui est capable de mettre le bagaille. Danger pour l'équipe du Milan centre. Ballon contré. Et là, c'est pral. Yon connaît l'avantage. Équipe. Et équipe Kiev Environ. 22e minute de jeu. Snerg. 0 pour l'équipe de Kiev. 0 pour l'équipe du Milan. Effectivement, et c'est 10e journée championnat d'Italie de football que l'équipe Milan AC lui-même en déplacement nan, et donc Marco Antonio Bentegodi pour jouer contre l'équipe Kiev Verona. Attention si on connaît de la gauche vers la droite, attention coup de tête mais non. Ballon qui passe tête goal. Les buts gardés par Gianluigi Donnarumma, le portier de la formation milanaise de football encore une fois. Réalisateur là, l'a montré nos actions en coup de tête ça. Il était ajusté, mais heureusement pour l'équipe Milan, c'est ballon, t'es passé tête goal. On a regardé Vicenzo Mondea qui lui même jusqu'à présent. Il y a un peu de doute pour qu'on ait est-ce que la fin fait saison avec l'équipe Milan. On a fait étonner Stefano Sorrentino qui mettait le nom que défense là. Verga César qui allait en retrait. Et c'était de préférence. Gamberini passe le fait de l'axe du terrain, le prolongement avec en position ça, un acteur Kubirsa, l'ancien joueur du Milan, c'est intervention de Lucas, ça va marcher, ballon récupéré par l'équipe, et donc de Kiev est dégagé par Stefano Sorrentino qui mettait le pied dans la caille, la tête en déviation, ça va marcher, récupération milanaise, le prolongement vers Rodriguez qui tentait de dégager. Qui ça arbitre lundi, pas une faute de jeu boule. Ballon qui va le jeu très rapide avec équipe. Et donc, équipe qui est Vauveron qui jusqu'à présent a baissé. Ouais, dans quelle mesure capable. Ouvrir Maclan. Fait, et donc, Fabricio. Et donc, il est même à laisser Feld dans l'axe. Ballon contre au passage. Je mettais en retrait avec Nenad Tomovic qui allait en avant. Contrôle poitrine de Lucas Biglia. La passe en retrait en direction des Franck Caissier. Déviation de Sousso. Et sur le côté droit avec David Calabria. Calabria conservé. La passe en retrait avec un opposition ça. Akan qui m'a des ballons refusé. Monsieur KPC monté possibilité de centre. Le centre mais ballon repoussé par Ebostiano César qui mettait le pile dans la caille. Passe en retrait avec Père Parim et Demage qui allait pour porter le Stefano. Sorrentino mettait en avant. Intervention manquée. Ballon contrôlé par le joueur de la formation et Milanaise de football qui allait pour Franck Caissier. Passe en fait en retrait en direction. Et donc Matteo Moussakio qui lui-même était obligé d'aller en avant, mais c'était bien compté, mal calculé puisque ballon était allé dehors. N'a pas gardé David Calabria également, Alessandro Gamberini qui va l'exécuter rentrer de tout ça, ou du moins est-ce que c'est Nenad qui va laisser mettre ballon ça dans le jeu, passe le fait en avant, la déviation de Bissa, passe à nouveau, est-ce que il y a faute, mais non, arbitre l'a dit je boule, déviation marché. Lucas Bigli a contrôlé, lui mettait à gauche avec en position ça. Fabio Borini, Borini conservé, lui allait en retrait. La passe axiale, toujours pour l'équipe et du Milan, c'est que mettait la droite, contrôle orienté de la poitrine. Est-ce que ça doit le venir? Passe le fait en retrait, déviation va marcher. Et là, nous comprenons bien tâche là, lui pas aussi facile. Dans le moment que n'a pas le prolongement, Gonjro qui est Vauveron qui était à terre, pas pour longtemps levé. Ballon toujours avec l'équipe qui est Vauveron.
qui a essayé de monter possibilité pour Saint-Anne d'avenir. Mais non, monsieur, fait trop. Il prend trop de temps. En but, il dit jouer pour le bagne faute finalement. L'idée, c'est finalement le perdre du contrôle ballon. Pendant que nous saluons Baza Flamengo, nous saluons tout le monde dans route 9 qui même à suivre le match à football sans problème. Et sous Téléguinée, chaîne 18 Digital Cable 69, rentre de touche à Kané Natomovic. Est-ce qu'il y a une faute? Oui, selon Marco Di Beyo, il estime que tu as une faute au dépend du joueur de la formation de Kané Kivu. Et là, il y a des joueurs là, qui font faute. Et l'arbitre lui-même, Donnarumma, qui a passé Dimounio, arrangez mur là, et Sousso pour le placer. Le jeune Donnarumma. Et cette faute, qui délite pour Milan, trois pour Kiev. Ça le devait dire, même. Qui langue t'a parlé? En tout cas, et Gino va me trouver une base Flamengo qui dit qu'il y aurait un slogan là. Oui, Pitompe. Mais m'a dit ça pour nous. Sans problème. Oui. Et Wout frère. Dis-moi Wout frère. Kodeli. Agadadou. Dio m'a vendu un slogan. Slogan pour vous. N'importe qui qui voulait passer dans la télé et venir acheter un slogan. En tout cas, le point jeu très rapide avec équipe. Avec équipe bilancée. Avec Ricardo Rodriguez qui a laissé faire en avant. Parce qu'il a fait un retrait. Et devient ce match avec Gianluigi Donnarumma. Donnarumma mettait la droite. Monsieur Rabessé fait en avant. Avec une position ça. Et donc David Calabria qui essaie de faire un retrait vers Gianluigi Donnarumma. Donnarumma qui conservait. Il a Rabessé mettait en avant maintenant. Ballon contrôlé par Matteo qui écarte à droite vers Fabio. La déviation de la tête. Ouverture qui est assurée par le joueur de la formation de Kievo. Et portier qui est obligé de jouer vite puisque il bat de gain. Et trop de temps devant lui. Il mettait en avant. Ballon contre intervention de la cuisse. Réalisé par le joueur de la formation de Kievo. Coup de colle en fait avec David Calabria. Récupération milanaise. La déviation de Fricassé. Passe le fait en retrait. Avec équipe Milanese qui mettait en retrait en direction de Matteo. Matteo qui ouvre à gauche vers Ricardo Rodriguez. Rodriguez qui a essayé de monter. Il fait fin de colon pour éliminer Lucas Castro. Finalement, le joueur à droite. Est-ce que c'est le Bralvini? Attention, capable de problème. Sousso conservé, bien joué. Attention, danger pour l'équipe qui évoluera dans le tir maintenant. Ballon qui lui-même filé en corner. Corner au profit de la formation milanaise de football. Encore une fois, Nabéré Tétan pour nous connaître. Qui sait que coupier de coin, ça va le voter Nicolas Kalinic. Qui va le placer légalement, nous, Franck Kessier. Et Romagnoli également, présent dans la surface de réparation. Équipe qui évoluera dans déjà ce deuxième corner de match-là. Une des deux côtés. Attention, corner là, monsieur fait la 2. Contrôle passe talonnade dans le centre, mais non. C'est qui hors jeu. C'est qui hors jeu sous action. Hein. Et c'est bien Sorrentino, le portier de la formation de Kiev Vérone, qui va le gain pour relancer. Contre rapide avec l'équipe Kiev Vérone. N'a pas gardé. Et donc, monsieur, qui lui-même tout le temps bien avant. Il est capable de relancer. Déjà 0 pour Milan AC, 0 pour Kiev Vérone. N'a pas été tant de bonnes. Est-ce que l'équipe Kiev Vérone est capable de finir par imposer? Jusqu'à présent, c'est 0 plate entre deux formations. Et n'a pas été tant. Ballon pour un jeu très rapide. Encore équipe Milan AC qui a même laissé faire jouer là. Et puisque vous comprenez, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous voulez sauver Pau et entraîneur équipe Milan AC, n'a parlé bien d'eux. Et donc Vicenzo Montea, ballon avec Moussaccio et qui mettait à droite. Déviation sur le match avec David Calabria. C'est Kounia Calabria again. Il joue en avant.
dévié à ce match. Est-ce que monsieur mettait en retrait? Finalement, il avait essayé de sortir avec l'équipe de Milan Séan. Mais là, nous, Ricardo, libéré, capable de jouer l'espace pour le mettre balancé en avant. Nous saluons tout le pays en net. Et qui a même branché Télé Guinée Chaîne 18 Digital Câble 69. Ballon repoussé par le jeu de la formation de Kievo qui mettait en retrait. Est-ce que monsieur Brel joue la droite? Mais non, passe le fait dans l'axe. Il fait en retrait. Toujours pour l'équipe. Et de Kievo avec Sorrentino, le portier de la formation de Kievo Vérone. La tête de Lucas Biglia. Récupération avec Fabio Borini qui mettait pour Lucas. Redoublement de passe réussi avec Salanoglu qui obligeait aller en retrait. Vergue qui allait sur Romagnoli qui mettait pour Matteo Musacchio. Musacchio mettait en avant. La passe de l'axe vers Gassuso qui jouait en retrait. Milagui et contrôle ballon pour l'instant. Il a multiplié passe. Déviation de Fekese. La passe dans le trou bien joué. Mais bon retour au niveau de la défense de Kievo. 31e minute de jeu. Jusqu'à présent, un yé pour Milassé. Un yé pour Kievo Vérone. Attaque à l'équipe de Kievo. Il mettait en avant en direction de Serge Pellissier qui mettait en retrait la passe en profondeur. Mais très bon croisement réalisé par Ricardo qui obligeait à jouer en retrait pour Gianluigi. Lucas anticipé pas pour longtemps. La tête de Franck Kessier. Borini prolongé là en direction de Kessier. Les cassés collent chez Choumoun. Les joueurs en retrait pour Borini qui est capable d'aller dans l'axe. Mais nous préférons combiner en direction de Lucas. Lucas Biglia. Lucas Biglia la passe vers Borini. Mauvais calcul, mauvaise intention de la part de Fabio Borini. Et là, le tapeur était alimenté. Donc, Nicolas Kalinic, mais est donc contrôlant. L'it est tout à fait mauvais. Ballon pour un jeu très rapide. Avec équipe Kievo Vérone. Il mettait en avant. Intervention passe. Ballon contrôlé. Le prolongement tacle. Réalisé par le joueur de la formation de Kievo. Il mettait à droite. Avec une position ça. Le joueur de la formation de Kievo qui mettait en avant. Ballon repoussé par Alessio. L'anticipation. Finalement, monsieur Guin. Avec Lucas Castro. Castro mettait en avant. Côté gol qui payant. Ballon capté par le portier milanais qui font Rolos Manuel en direction de Lucas Biglia qui allait pour Franck Kessier. L'ouverture sur le côté droit avec la position ça sous son abdomen. Il mettait la tête mais arbitre là. Il estimait que t'es gagné faute sur ce jeune footballeur espagnol là qui va le replacer. Le ballon joué très rapide sous son gagné contre le ballon. Il casse le collègue cherche au partenaire. Finalement, va gagner espace. Il joue en retrait avec la position ça. Matteo qui mettait le boucard de Rodriguez. Rodriguez qui va à la gauche, mais non. Il change, il mettait à droite en direction de Sousso. Sousso dépose ballon. Attention, le centre de Sousso. Intervention de Lucas qui obligé de dégager. Finalement, récupération milanaise. Milan qui pas voulait quitter ballon. Nan pied et joueur qui est Vauvirone, puisque Livy comprend, il a acheté ballon ça, l'argent contre main, ça n'a pas empêché que jusqu'à présent, c'est score blanc qui a persisté, passe le fait en retrait, ballon contrôlé par le joueur de la formation, donc du Milan, c'est déviation, est-ce que le match intervention à nouveau, mais là, il y a une faute selon jugement arbitre central, Rengomboulza, il a été mis à terre. Père Parim et Témage, David Calabria, qui lui-même est capable de placer le coup franc pour l'équipe de Kievo. Là, on regarde Franck Kessier. Et donc, David Calabria, qui lui-même t'est tapé. Et donc, monsieur Laboudi, moi, pas capable d'aller. Je ne suis pas capable d'aller. Là, on regarde Rolando. Et donc, Marana, qui lui-même a coaché l'équipe. Qui est Vauvirone, la relance sur le côté droit, qui est-ce qu'a privé, intervention à nouveau avec Fabricio, Fabricio qui contrôlait, les gars en retrait mais non, Fabricio contrôlait le centre de Fabricio, contrôle manqué de la part de Sergio Pellissier qui n'est pas arrivé à gérer trajectoire ballon 1, et si on ballon qui filait dehors, qui pourrait le placer dans la limite 6m50 au profit de la formation, et donc du Milan c'est monsieur Guin à gauche, intervention à nouveau. N'a pas de temps pour nous qui sait que ça lui-même va voter. Passe le fait en retrait. Et déviation à ce que le marché
ballon toujours avec l'équipe Milassien qui a été sorti. Il mettait la droite avec la position ça. Et donc Matteo Moussakio qui allait pour David Calabria. Appel de ballon fait par Lucas. Il refusait. Il mettait la route pour Matteo. Matteo mettait en avant. La tête en déviation. Panique capable de problème. Contrôle peut manquer. De géant toujours là. Sousso. La frappe de Sousso. Soja Bank, quel bijou de la part de Sousso. Et là, quelle frappe limpide. Ah bah moi, habite là, calprend monsieur, ça ok là. Monsieur, nous prenons goal, l'équipe là qui doit chauffer. Non, monsieur, il doit dire, l'équipe là, monsieur, j'étais trop fort. L'équipe là, nous prenons goal, l'équipe là qui doit chauffer. Nous prenons goal, nous prenons monsieur. Là, venez, regardez pour nous, il met contrôle là. Sousso, il contrôle. Oulala. Quelle frappe de la part de Sousso. Équipe nous prend goal, monsieur. Se font gros goal. Équipe nous prend goal. Nous avons plein, nous prend goal. Ça gagne. Pour qui ça gagne à le faire, son égale. Les gars ont chauffé goal. Gardez des problèmes. Monsieur, pas manifesté, les gars ont manifesté, non? Ah. Les gars ont célébré goal. Si vous avez manifesté, nous avons empêché de faire manifestation. Pas m'aider, monsieur, pas non, pas si vous avez manifesté, nous avons empêché de faire manifestation. Les gars ont célébré goal. Il n'y a pas de là. Nous n'avons pas de même, nous n'avons pas de parler comme ça. Non, pas de rien, non. Le moment que nous avons parlé, Vicenzo, il a regardé César qui lui-même a parlé auprès de Orbi Central Gangomboulan, Manco Dibeyo. Le buteur, ma pointe de tête, mais pour qui ça, Lopetegui qui parle de Sousso, chance dans la sélection espagnole. Et puis ça, avec pied gauche, il y a un monsieur intéressant, en pile. En tout cas, après des temps, pour nous connaître, qui sait que ça, lui-même, pour le beauté, Bertolui, fanatique, Milan, c'est, qui lui-même a petit bouli, même 6 000 ans des fois, il fait que monsieur n'est pas content, mais ça n'a pas empêché que, toujours gagner Milan, n'en font que lui. En tout cas, intervention à nouveau, ballon qui repoussait, déviation qui marchait, bon calcul, passe en retrait, le renversement de jeu sur le côté droit, intervention de la cuisse, ballon dégagé par le joueur de la formation, et donc du Milan C, intervention contrôle bas du ventre, intervention à nouveau, possibilité pour M. Dal en avant, ballon contrôlé, bon tacle, le prolongement qui escape, attention, panique, danger pour Kévo, attention, danger toujours là, intervention finale du porté de la formation de Kévo, et là, on a regardé Nicolas Kalinic, regardez où est l'autre là. Si vous avez contact à Kaline, tu n'as pas besoin de faire des noix de Kembel dans Boané. Kembel dans Néanri, tu n'as pas besoin de faire des noix. Méchant. Valo va jouer avec Alessandro Gamberini, qui lui-même essaie de mettre en avant. Parce que pas bon. Déviation, est-ce qu'elle marche? Finalement, monsieur Caproule Boule, dans le moment que nous parlons après les temps, pour nous connaître qui savent que ça lui-même, il va être capable de botter jusqu'à présent. Un pour équipe Milan C en déplacement. Et donc, un pour équipe Milan C en déplacement. Et donc, 0 pour équipe Kievo-Vérone. Tacle de récupération. Et attention, danger. Salanoglou, la frappe de Borini. Ballon qui contrait. Frappe à nouveau, mais fois ça. Ballon qui allait de à ce qu'il paraît. T'es déjà gagné faute. Ou t'es trop loin. Non, pas de faute. Mais monsieur, t'es trop loin. Monsieur méchant. Côté monsieur Alta, t'es metté petit bon. Voilà. Borini tacle ballon. Hein. Oui. Là, bon, surtout tellement qu'on est le fait golio, tout déjà le fait golio de toute façon. Il y a quand t'as laissé, vraiment, monsieur, on va comprendre. Ben, guidez lui. Ballon pour jouer rapide avec équipe Milan C1 avec Matteo. Matteo qui est obligé de dégager. Coup de tête du joueur de Kievo. Attention, Kike, oulala, Kébé Sato Tolentoune, Napéo, Ivan Radovanovic, qui fait dribble de conservation bien joué, il mettait l'en retrait avec César qui mettait la droite vers Fabricio et Katia Torre, qui a laissé faire en avant, la passe en profondeur bien joué, Devia Sokmaché, Kalinic, tout fait le nom d'Oli, finalement, le guérison, c'est bien, et Sousso va guider le tir, la passe en profondeur, ballon contre au passage,
matin, équipe n'a pas essayé sortie propre. Dans le moment que nous parlons, passe le fait de l'axe, le prolongement en direction de Walter qui mettait la droite. C'est Birsa qui gagne. La passe sur Gant et Fabricio. Fabricio contrôlé. Le centre de Fabricio. Ballon contré. Rebond favorable à l'équipe du Milanese. Passe en retrait. Ballon dégagé par Gianluigi Donnarumma. Nous saluons tout Payanet qui branche Télé Guinée chaîne 18 Digital Cable 69 Basse Crasse Stress. Nous saluons tout le monde marchand de Saline Capron Tiboulio sans problème, notamment Vikens qui passe Chamba branché Télé 1. Elle toujours dit nous de n'importe ce qui a passé. Et donc nous marchons à travers Télévision Payan. La passe en avant, intervention propre de Fabricio qui dépose le ballon. Il va le feinter. Attention monsieur, on préfère conserver. La passe à l'entrée de la surface, frappe le ten, mais non, ça n'a pas marché. Ballon qui filait dehors, 40e minute de jeu. Jusqu'à présent, c'est 0 pour Kievo, 1 pour équipe Milan. Encore une fois, réalisateur l'a montré nous côté que Milan était capable de caisser sous frère ça. Mais malheureusement pour équipe Kievo Verona, ballon qui passe à côté et là, c'est action, action tout à l'heure que réalisateur l'a montré nous gros goal ça, qui réalisé par Suso, le numéro 8 espagnol de la formation milanaise de football. Ballon contrôlé par le joueur de Kievo. Il mettait en retrait avec la position ça. Nenad Tomovic et Tipa Tonovid. Tomovic. Tomovic qui même et mettait en avant. Intervention. Contrôle bas du vote réalisé par Fabio. Fabio Borinic mettait pour Lucas. Lucas Biglia qui allait en retrait avec Matteo. Contrôle vote réalisé par Salanoglu. La passe en retrait vers Lucas qui écarte à droite en direction de Suso. Attention, le tir de Suso. Déviation. Albata est toujours qui vous? Il va Albata, bon, il va contre quand? Mais non, il a mis Al et puis Albata est toujours. Il va contre quand? Il a dégagé. Suso Fernandez ça, intraitable. Fabio, regardez Leonardo. Leonardo Bonucci avec très souriant, petit sourire aux lèvres. Ben Bonucci, ça passe là même. Eh bien, content. Eh ben. Et là, monsieur a dévié ballon de la tête, c'est César et Botian. Botian César qui marque contre qui? Marque contre quand il mène malgré paraître porter le cap fanien. Et sinon, gardez le ballon qui a rentré dans le filet, M'Dedouza déjà 2-0 pour l'équipe du Milan. M'Dedouza déjà même. Ballon pour aller jouer avec l'équipe qui est Vau Vérone et là. Un assassin. Oui. Suso Fernandez. Oui. Qui est Vau, qui est en bas de goal la Kaili. Passe le fait à retrait. L'ouverture sur le côté droit. Assoya et la ville de Vérone, Bab dormi bien même. Qu'est-ce qui est là? Parce que Elazio on prend 3-0 dans l'Atalanta. Un bel guidéo. En déplacement. Ballon contrôlé la passe sur le côté droit. Il a mené sur les 2-0. Ça veut dire ouais, problème pas fini. Bah là tu as la grande équipe qui va dire bon, qui t'ai dormi, me vient garder nous. Parce que dans le ça il déjà pratiquement 9h du soir en Italie. Oui. Ça veut dire mon yo là est sous affaire dormi et là mon qui t'ai dormi le vin dans match. Son a été dormi. Ballon contrôlé gain l'autre côté pas dormi même. Gain dormi papa. Est-ce quoi? Mon gal dormi gain l'autre qui vini. Eh ben ça me dit mais gain dormi. Gain la relève. Ballon joué et rapide passe le fait en retrait. Déviation qui marche avec Ricardo qui allait dans cœur défense là, l'ouverture sur le côté droit vers Matteo Moussakio. Qui mettait en avant, il t'a tenté alimenter sous ça pas marché. Franck Kessie, est-ce que la est arrivé? Là, elle fait faute. Kessie fait faute au dépens. Et donc, comme de Ivan Radovanovic, qui va être capable de replacer lui jusqu'à présent. Attention, attaque à l'équipe de Kievo. Bon contrôle, le centre en danger. Ballon repoussé par Ricardo Rodriguez. Intervention manquée. Est-ce que pas gagné? Arbitre lundi, je boule. Ballon dégagé par le défenseur de la formation milanaise de football. Intervention avec Fabio Borini. Wissner. Qui joue dans votre oui. Et mon lagona vient de nous brancher. Eh bien, nous allons tout le lagona vient. Nous allons tout payer. Hein. Sauf à ce que vous avez fait, Jean-Louis. Et vous allez tout payer, brancher. Ça vient de nous brancher. Nous allons tout le lagona vient de nous brancher. On va dégager. Eh bien, mon spécial. Sans problème. Et ballon de jeu très vite. Nous allons tout le monde spécial. Lagona vient qui a même un petit boulot sans problème. Schmidt. Wissner, son MP mettait Mario Milan à la vente. Grand monde qui dit, je m'en toujours à venir.
Elle est toujours à la vente. Jusqu'à présent, ma bonne. Jusqu'à présent, ma bonne Marosa. Je n'ai pas de maillot à Bobo. Va bien vite prendre. Allons jouer très rapide. Intervention à nouveau. Qui est-ce qui a privé? Attaque à l'équipe de Kiev. Mais nos passes, là, t'es tout à fait trop forte. Ballon filé dehors. C'est vrai, capable. Ils ont 6 mètres 50. Au profit de la formation milanaise de football. Avec Gianluigi Donnarumma, le portier milanais. Il est même capable de relancer pour l'équipe du Milanese. Après les temps, nous connaissons qui s'est fait ça, il est même nous saluons tout pays honnête, quel que soit qu'on trois bamboules à travers le monde là. Ou branché vrai faux cadran. Et nous disons ça déjà, pire devant la piquer pour Montiel. C'est moment, pause là, amis téléspectateurs, téléguinés. N'a pas observé, n'a pas tourné pour deuxième période, match football, c'est là. Radio Téléguinée, c'est Ronde Centre. Tout joué, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Téléguinée respecte les règles là. Il n'est pas attaquant, il n'est pas cabal goal pour. Il n'est pas demi, il n'est pas caméné jouet pour. Il n'est pas défenseur, il n'est pas cabaré attaque pour. Il n'est pas gardien, il n'est pas cabaré goal pour. Il n'est pas fanatique, pas mandel pour le chauffer équipe pour, ni les chalbaré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe pour. C'est où pour choisir équipe pour. Radio Téléguinée, c'est Pigo Stade là, Pigo Terrain, Pigo Tribune, côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Téléguinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez les jouets là. Il y a un ballon avec Franck Kessier qui a essayé de contrôler les joueurs en retrait en direction de gardien Donnarumma. Qui mettait ballon ça en avant, la chachon mon coup de tête. Qui est-ce qui a raison? Tranquillement, joueur Kievo a lui-même li joué dans position ça. Dans des fosses avec Tomovic qui mettait ballon ça en avant pour perdre Parim. Qui essaie d'aller dans position ça avec Lucas Castro qui joue en retrait en direction de Fabrizio Dallax. Il y a passé contre avec Ivan Radonovic dans surface Milan. Est-ce que je vois le cap frappe le centre un coup de tête? Bon côté Milanais au jeune capitaine Lucas Biglia. Biglia, il était essayé de jouer en direction de Nikola Kalinic. Ça n'a pas marché au contrôle de Castro. Castro qui allait à droite avec Fabrizio. Il a joué Dallax. Il a posé avec Radonovic. Radonovic. Radovanovic, attention oui chef là, Radovanovic qui joue en direction de Gamberini, Gamberini qui jouait de l'axe avec Walter Birsa, Birsa qui essaie de mettre intelligemment, joueur Milan qui était ballon en sorti, un ballon qui filait de yon là, moutrouvre Radovanovic, de même que Franck Kessier, ouais, jeune gardien Milan. On a parlé de Donnarumma qui a essayé de préparer le qui s'habite lundi. Nous, un technicien, Marco Di Bello, il dit arrangez-nous pour ballon ça lui-même. Il pose pour ballon, pose pour le jouer. Donnarumma qui pourra le faire longue relance. Nikola Kalinic. Et à Moutro, à Cannes, Salanoglou. Monsieur Borini qui a suivi ballon qui jouait. Yon coup de tête, Dakan qui rate contrôle là. Monsieur Kievo s'est joué à gauche avec Gamberini. C'était Tomovic de préférence qui jouait dans la défense. Contrôle avec Gamberini qui allait pour Sorrentino Stefano. Il jouait à droite en direction de Cassiatare. Cassiatare qui jouait dans l'action passe avec Lucas. Est-ce que tu as un jeu de main ou du moins? Est-ce que Abitlan estime que tu as gagné? Position avancée. Il y a Moutro Manuel Pocciarelli qui rate contrôlant. Sousso qui fait prolongement. Ballon en contrée. Lucas Biglia est présent. L'échange est allé à gauche. Il joue une poitrine Rodriguez. Rodriguez qui pourra être capable de centrer. Appel de balle en fait Rodriguez. Rodriguez qui joue pour Akan. Akan qui fait prolongement pour Frère qui a mis. Akan à terre. Habit lundi pas de faute. Monsieur qui veut jouer, on passe en retrait. En direction de gardien qui était dégagé. Côté Moun, anticipation milanaise avec Rodriguez qui font un dribble sur lui-même.
Rodriguez qui dribble en deuxième joueur. Li joue en direction de Lucas Biglia. Biglia qui allait en retrait avec Matteo. Matteo qui a essayé de contrôler ses Romagnoli de référence. Matteo Moussakio. Moussakio qui joue pour gardien Donnarumma. Donnarumma qui va laisser mettre le ballon ça en avant. Donnarumma qui prend Elan. Lapchen pose Josa. Nicolas qui fait passe à la gauche, 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 à la gauche. Mais non, Mdedzou à la gauche. Monsieur qui rate contrôle et récupération avec Lucas Biglia qui joue en direction de Sousso. Sousso le gaucher. Contrôle de Nicolas Kalinic qui joue Lucas Biglia. Biglia fait prolongement. Ne pose avec Kalinic. Joue à gauche Kalinic. Il y aller à gauche avec Rodriguez. Pitompi. Merci. Borini qui prêche si malheureusement, monsieur, gaspille action Mounio. Allez, qualité frappe attaquant. Au méchant. Ballon ça qui passe tête goal. Et gardien quoi le capable de dégager Cani Stefano Sorrentino. Monsieur qui prend Elan. Coup de tête avec Gamberini qui s'habite lundi. Il y a une faute dans l'avantage de Kievo. Ismaël dit, mais on a mal dormi à soir. Et tout deux équipes après, j'ai compris, on prend bâton. En déplacement comme à domicile. Gardons le problème. Tomovic qui jouait. Déviation, fait ça pas marcher. Ballon ça qui allait en touche. Ah ben, c'est mon dégât la musique ça par le passé. Et vous êtes à Vérone. La ville de Vérone. Et là, joueur Milan Calabria qui allait en retrait en direction de gardien Donnarumma. Qui pourrait tenter de mettre lui en avant, lui jouer à gauche, contrôle en fait avec Ricardo Rodriguez. Rodriguez qui jouait en direction de Romagnoli, c'est tout fanatique Milan qui a suivi le match football. C'est la 10e journée Serie A italienne. Moussakio Matteo. Matteo qui tourne sous lui-même, il fait prolongement. Coup tête l'en fait et la frère caissier il y a la direction de Sousso. Sousso qui pourra être capable de changer le Sousso changer le il y a les jeunes poitrines Rodriguez Ricardo. Ricardo qui jouait pour Lucas Biglia. Biglia qui allait en retrait en direction de Romagnoli qui joue un gardien Donnarumma. Nous saluons sélection nationale féminine des moins de 17 ans. Simon, comment nous sommes dans le ballon qui jouait en direction de Tomovic qui rate contrôle malheureusement. Ballon ça lui-même, il allait à touche. Elle a montré au frère caissier Vicenzo Montella qui a parlé à monsieur yo. Montella qui a fond placé monsieur yo, il a un bon dribble avec Walter Birsa. Birsa qui jouait à droite de Fosli avec Fabricio. Fabricio qui allait en de terrain avec Radovanovic qui joue en direction de Fabricio. Fabricio qui te font passe avec Castro. Castro Fabricio. Fabricio qui joue pour Gamberini. Gamberini Fabricio qui allait en retrait pour Sorrentino. Sorrentino qui essaie de mettre le ballon ça. Sorrentino qui a cherché au monde. L'ITE te joue maintenant. Ça n'a pas marché. Ballon qui contre monsieur en pressé. Fabricio qui parle qu'à faire de touche ça le tourne sous l'homme qui s'habite là. Il dit pas gagner, jouer boule. Lucas Biglia qui allait pour frère caissier. Caissier qui jouait pour Sousso. Sousso qui font mauvaise passe. Monsieur Véronneau qui a baissé avancer balle au pied. Dans position avec César. 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 L'homme là, il ne va pas en sécurité, oui. Il a joué en direction de Sousso. Sousso qui allait pour Calabria. Calabria qui joue en retrait en direction de Matteo Moussakio. Bon bagay Biglia. Biglia qui essaie de mettre lui en avant en direction de Sousso. Sousso, Sousso. Qui n'a peut-être. Oh, mais Sousso, ou pas de respect. Allez, je me suis amusé, passe même deux joueurs. Il passe en direction d'Akan. Akan qui frappe. Est-ce que ballon en contre? Non. Est-ce que c'est corner position ou un canapé? Oui. Restez là. Pour monsieur, il y a tout espace ça. Monsieur, il n'y a pas de gêne pour le fond qualité de frappe comme ça. Bon, c'est pas grave, Messi t'es fait tout. Pas Messi en tépirette. Castro, de dos. Il y a trop de temps, il y a Sorrentino qui pourrait être capable lui-même. Stefano dégage Cani. Franck Caissier. Comment ça? Vindil. Il y a un ballon qui jouait de l'axe avec Radovanovic.
Libete li en avant avec Lucas Castro. Castro qui joue Radovanovic qui tourne sous lui-même, il joue pour Tomovic. Tomovic qui allait pour Gamberini. Gamberini qui joue en retrait pour gardien. Stefano Sorrentino. Sorrentino qui prend Elan. Lucas Biglia coupe trajectoire ballon. Il joue en direction de Borini qui allait dans position ça avec Akan. Akan qui joue en direction de Calabria qui joue une frère caissier. Caissier qui joue avec Sousso. Sousso qui joue dans position ça avec Jouan Lacapessé contrôlé maintenant. Monsieur Milan qui rate contrôle et pour le capable jusqu'à présent c'est salié. Une très bonne passe. Est-ce que j'ai envie de centrer? Dévié sur ballon contré. Qui est-ce qui bénéficie rebond? C'est Jouan Milan Pucciarelli qui allait en direction de Fabricio. Fabricio pour le tenter centré au Valapig n'a fait. Fabricio centré frappe. Mais non, ça a raté. Côté Rodriguez, joueur Vérone, l'itenté dribblé, ça va machin d'app parler de Fabricio. Joueur Milan Cabessé avancé avec Rodriguez qui va PI, qui a signé raison. Oh, pidompe. C'est où? Pied net, il a fait là. Allez. Jouer à gauche, en direction de Borini. Borini, tout glissel. Frère! Oui. Et c'est goal. Soje Bank. Équipe qui vous a mérité plus que toi, goal, parce que moi, tant que je te fais là, son bagage était chargé. Ouais, même président, comment son bagage était chargé parce que vraiment, mais il n'y a pas de passe là. Bon, ça c'est. Frappe jouer à vous démontrer. Ça va même pas pour tout le monde de ça. Franck Kessier pour Sanoglu. Donc, Menina. Donc, Franck Kessier, c'est petit, il y a un ancien militaire qui mourit. Donc à chaque fois où Franck fin fait goal, donc où il fait geste militaire là, son façon pour un hommage et à papa. Et que le terrain met en pile. Et bien dit que et papa tout c'était un ancien footballeur. Pendant qu'on parle de Messia, Franck dit que pour Coupe du monde qui va faire là aussi, c'est une Coupe du monde qui va faire avec un niveau de sécurité et qui plus élevé côté que ce qui est beaucoup plus tight par rapport au mondial qui était fait en Vao puisque et on a fait l'État islamique qui a fait l'appui et le bouton à travers le monde et qui a fait un certain Daesh qui menaçait mondialement avec toute Messi. Oui, ben ça fait pile. Ça, monsieur Aga Messi. Bon, par contre, Daesh, Ali, mais pas besoin de gagner à personne. Ah, ben ok. Bon. On a bien, il y a rat nous. Ça va, hein? Et là, qu'est-ce qui a raison? Voilà, Messi. Je vais pour Poutine. Ben, il va mettre la caillou. Bon, oui. Donc, on a Poutine. Oui, Poutine dit la puissance. Poutine dit le gémoire. Oh, madame, Gautras qui passe dans le ciel là. Moi, tu compères, je vais couper le vélo. Il dit, oh, à part courir une heure en Haïti. Je vais vous dire, vous voulez une heure. Alors, le tête chargée, monsieur. Il y a un ballon qui joue avec. Avec Fabricio. Fabricio qui rate le contrôle, le ballon à la touche. Les hommes. Et il y a un ballon qui joue dans la position ça avec César. César qui jouait en direction de Fabricio. Ballon ça a contré. Il y a allé en touche. Il y a rentré touche dans l'avantage. Équipe qui est voie mettre lui en avant avec Manuel Pucciarelli qui était joué en direction d'Ivan. Ivan Radovanovic. Joueur Milan qui était en gros frappe. Il était en chasse le frappé. Non. Walter Birsa. Birsa a essayé, malheureusement, frappe Walter Lan d'un cheveu, mais il n'a pas passé trop loin quand. Il était capable de rentrer dans le goal. Malheureusement, monsieur ça qui n'a pas trop de chance. Donnarumma, frère caissier, qui lui-même a essayé de replacer lui. Donnarumma, quoi, capable de dégager quand tout le monde, mesdames, n'est pas au grand village. Il essaie de dégager quand
Et bien, Fox Abitland dit pas gagne, joué boule, yo joué contrôle pour attendre avec Kalinic, qui allait à gauche, dans position avec Akan. Akan qui joue Rodriguez. Rodriguez qui va jouer de l'axe, mais non, il joue en retrait, en direction, le défenseur rappelé de Romagnoli, qui allait dans position avec Moussa Kio Matteo. Matteo qui joue en terrain, avec Sousso, appel de balle en fait, Sousso frappé. Ballon rencontré, qui est-ce qui a joué? C'est Rodriguez qui joue en direction de troisième buteur Milan. On a parlé d'Akan Salanoglu qui allait pour Moussa Kio. Moussa Kio qui va laisser Metelli dans position avec Romagnoli. On a joué à gauche, gain espace. 58e minute dans le jouet. 3 pour Milan, 0 pour Kievo. Il a joué pour Matteo. Matteo qui joue en Calabria. Calabria, dépêche-toi, mon fils, dépêche-toi. Et là, il a joué dans la position ça avec joueur là. On s'attend qu'on habite à partir de siffler le match. Match et Tigouave à Sud-Est là. Habite là, dit hey, pose-toi, mon frère. Pose-toi. Pose-toi. Vous le dites, vous lancez le calme. Et pose-toi, mon frère. Et après, c'est contrôlé. Il a joué dans la position ça. Tac, là, c'est quoi qui est faute? Et là, vous avez mis les bombes détendues. Caméra, attendez, je viens de son. Je joue, pose-toi, mon frère. Je joue dans la position ça, avec joueur là. Ma petite papa, les créoles, même nous, Alexis. Et français seulement? Français seulement. L'arbitre français. Maman, si ça, France, dans la ligue, un tape sifflé. Pour être capable de gagner un coup de centre, joueur là, après l'an. Coup de tête, l'en fait. Qui est-ce qui a raison? Pour aller à gauche avec Rodriguez. Rodriguez qui a passé, écoutez, le fond passe. Avec Salanoglu, qui allait pour Franck. Franck Salanoglu, qui jouait pour Kalinic. Coup de tête, qui est-ce qui a joué Tomovic? Il repousse le ballon. Et là, nous avons Matteo Moussakio. Et Lucas Biglia, tranquillement. Il allait pour Franck Kessier. Franck qui va laisser Metelli. Franck Kessier qui allait pour Sousso. Sousso qui jouait en retrait en direction de Matteo Moussakio. Moussakio, il jouait dans la position, il va se contrôler. Il jouait en direction de Calabria. Calabria qui jouait dans Moussakio. Moussakio, il fait lire en direction de Franck. Franck Calabria. Calabria Sousso. Bonne passe. Il joue pour Kalinic qui s'entraîne. Non, Kalinic. Anticipation. Et là, Kalinic a frappé. Non. Abitland dit, pas gagné, nous sommes gardiens qui sont capables de jouer Kani. Alors, toujours 3 pour Milan, 0 pour Kiev. On a toujours porté plus de précision autour de menace d'âge à l'endroit de Messia. Son vidéo est publiée, côté que il fait un montage de vidéo, côté que lui-même, il a emprisonné Lio Messi. Oh. Il y a des barreaux. Donc, vraiment, il son façon pour capable. Et bon. Il va appeler Messi champion. Bon, de toute façon. Et Napton. Et vous avez Messi champion. Nous saluons Esther Vestière. On frappe! Et c'est goal! Goal Sojebank. À qui mon donne ma faute ça là? Avec Monsieur Lyon, regardez, oh, gardons de face à Alexis, c'est pas possible. C'est une passe décisive de Franck Kessier. Et pour. Et pour Walter Birsa. Alors Birsa, c'est un ancien joueur du Milan AC. Oui. Donc c'est pied pour la Capcase Zoya. Mais il faut dire que c'est surtout un cadeau. Un cadeau de Franck Kessier et à Birsa, qui s'est bien servi Birsa. Birsa mettait fois plein. Ben, depuis lors, c'est un pour l'équipe de Kiev. Et trois pour l'équipe du Milan AC. Attention à attaque du côté de l'équipe milanaise avec Salanoglu qui est malheureux à Kanda. Du côté de l'équipe de contrôlé par l'équipe véronaise, la passe de Tomovic, l'ancien joueur de la Fiorentina qui joue au milieu. Attention à cette passe, maintenant ballon contré. Et t'as donné d'affront approche sous Sousso et que l'OPDGI est capable d'un petit chanson d'équipe nationale. Sous qui est-ce? Sous qui est-ce? Sousso pas lui là. Pas connaît non? Qu'est-ce que pas connaît. Sousso. Et bon, Sousso, il y a un petit chiffre qu'il a fait. Mais Sousso, pourquoi vraiment et qu'a challenge aucun joueur que le Petegui convoqué là qu'a pris un même poste avec Sousso. Sousso pose toujours Sousso. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan. Attention à la passe de Lucas Biglia. Ballon contrôlé par Matteo Moussakio. Cala droite sur David Calabria. Calabria qui ballon, on le mettait en terrain. Attention à cette passe sur Franck Kessié. Et maintenant,
intervention de Biglia qui déjoigne et Alessio Romagnoli, la passe de Ricardo Rodriguez, ballon contre le départ Akan Salanoglu, ballon toujours contre le départ l'équipe du Milan AC et bonne passe sur le flanc gauche. Attention, en ce prochain égalisé par le joueur de l'équipe et du Milan AC, ballon contrôlé et par l'équipe du Milan, la passe en sur Ricardo Rodriguez, l'ancien joueur de Wolfsburg, la passe sur et Matteo Moussakio, le défenseur central argentin, l'ancien joueur de Villarreal, la passe de Franck Caissier sur et Calabria David qui joue sur Matteo Moussakio, ballon contrôlé par l'équipe en 2001, la passe sur le côté gauche, la déviation en retrait du côté de l'équipe du Milan AC, 63e minute de jeu pour l'équipe de Kiev Verona, 3 pour l'équipe du Milan AC. Attention à cette passe de Gianluigi Donnarumma au milieu sur Lucas Biglia. La passe de Lucas est au milieu. Attention, passe axiale sur Souzo. La passe de Souzo, cadre impossible. Et Kalinic, et ce goal! Go 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 un pour l'équipe de Kiev Verona, c'est Nicolas Kalinic, l'ancien buteur de la Fiorentina, l'attaquant croate qui lui-même est corsé addition, mettait la 4-1 pour l'équipe du Milan AC. Yongol Kivini, peu après l'heure de jeu, et oui, n'a pour suivre et frappe extérieur puis droit ça de Nicolas Kalinic qui lui-même scoré alors que défenseur Kievoyo avec toute Gaden Buyan tape réclamé position avancée donc pourtant donc et pas de gagné et position avancée sous action 1 et donc et un ballon qui contrôlé et par et Kalinic sans aucun problème. Donc c'est rapidement reparti entre l'équipe de Kiev et la formation du Milan AC. 35e minute de jeu, Kiev dos au mur face à la formation en 2001. La passe en défense, attention à ce contrôle réalisé par Nenad qui joue sur et Botiana César. La déviation de Ivan Radonjić. Dovanovic, attention, ballon contrôlé de la poitrine par un roi milanais, la passe de Akan Salanoglu, la déviation au trait, ballon contrôlé par Ricardo Rodriguez qui s'appuie en direction d'Alessio Romagnoli, ballon contrôlé par les Milanais en défense centrale, 35e minute de jeu, mesdames et messieurs, elle tombera nos problèmes, et ballon contrôlé par l'équipe du Milan sur le flanc droit avec Calabria qui s'appuie sur Souzo, Franck Caissier, Lucas Biglia, la passe à gauche, ballon contrôlé par l'équipe du Milan AC, attention, et bonne passe en retrait du côté de l'équipe milanaise, le Milan qui a fait passer ballon, Milan et qui tasse mes jeudiens là, sur route pour qu'ils font bon bec face à l'équipe Sampdoria, alors face à l'équipe qui est environ 10 ans, ballon contrôlé par l'équipe du Milan, le tir à longue portée, ça va bon garçon, ça va bon. Salanoglu, ça va bon. Faut que vous pensez frappe ça. Donc, ça va pas du tout inquiéter et porter l'équipe qui est vraiment dans la mesure où, ballon pas de même rivé sous lui, violent de M. Stefano Sorrentino. Ballon Franck Caissier, attention à Franck Caissier, la part de Franck Caissier, danger pour Kievo, la sortie de Sorrentino Stefano. Attention Sorrentino, Fon dit que. Ce garçon qui s'appelle Franck Caissier, et lui, protéon plus en terrain, équipe Milan AC. Donc, c'est un très très bon joueur. Et Franck Caissier, ballon contrôlé par l'équipe de Kiev Verona. Et est-ce qu'il faut Franck Caissier? Et qui lui-même a bien plaisir tout. Oui, ballon contrôlé par l'équipe de Kiev Verona. Intervention du côté de l'équipe véronaise. Et c'est un avantage pour l'équipe milanaise. T'as gardé là vraiment, et footballeur, équipe, et Véronèse, non, qui lui-même, et a replacé lui,
et notre captain Bill National. Donc, Bill qui font un petit nous là. Comment nous là, captain? Nous avons profité pour nous saluer tous les amis, auditeurs et téléspectateurs, télé Boula, télé Guinée. Et nous avons un bon Boula et ça fait nous, nous garder ce qu'on a fait, nous sommes le Milan, c'est des années. Des années. Avec, surtout les années 80, avec la Gouriva. Vous savez, la Gouriva. Ça m'est bien, mon côté fait. 90 000. Non. On a que ton même. On a que ton goulage de goulit, ma compagne. Non, on a que ton même. Pas vivre, monsieur. On a que ton riche cadre, on a que ton ascène, goulit, goulit. De toute façon, c'était belle époque. Nèg mille, on a connaissé les Ricosta. Bon, bon, là, il y a un dernier mille. Les Maldini. Ouais, bon, Paolo Maldini font pas que tantôt. Dans Milan, d'ailleurs, l'équipe, c'est là, d'un fait tout. Nesta. Yeah. De toute façon, là, nous venons de l'équipe Milan. C'est que longtemps, nous parlons de Milan. Vraiment, nous, on a tout le bol à bailler tout le bol. Oui, bon, Milan, il faut dire qu'il a dépassé un bon petit coup, oui. Et pendant Mercato, ouais. Mais son équipe Milan a fait beaucoup plus, oui. Mm-hmm. Mais qui affiche un comportement sérieux. Toi, je vois, toi, je mets le temps de faire avec toi, là, demain, et nos prochaines tours, elles vont vite faire. C'est Yoro Gantrainer. C'est l'élément beaucoup. Mondela. Mondela beaucoup, non. Bon, Gantrainer Milan, c'est passé, hein. Son grand entraîneur Milan s'est passé dans le temps. Donc, Montella est un bon joueur de football, c'est vrai. Il commence à dégager, mais Milan a besoin de grand entraîneur. Il est grand pile bon joueur qu'on y a, capable plus ou moins d'élever le niveau. Mais Milan, c'est que nous te connaissons dans tant longtemps, vraiment nous très loin de lui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Milan, c'est il qui parle de la bichette qu'on y a là. Elle n'est pas allée dans la Ligue des Champions. Bon, c'est pas seulement Milan, c'est le football italien même qui baisse. Oui, football. Donc on a regardé ces Liga avec première ligue qui bon sur Espagne avec. Bon, même Ligue 1 mettait dehors. C'est ça. Et puis, il n'a pas avancé avec l'équipe qui est voyant. Ballon contre le départ à la défense de l'équipe Véronèse qui ballon en défense avec un passage de Tomovic qui mettait en profondeur, coup de tête défensif, ballon profitable à l'équipe et Véronèse tacle du côté d'équipe Milanaise, ballon aller en touche et un avantage équipe Véronèse dans et touche la suite rapidement par Alessandro et Gamberini. Bon marché pressé bas côté Véronèse, yo dit yo n'a dit que tu là, même si une bataille a égalisé au moins faut rapprocher beaucoup plus du Milan, c'est puisque à 4 buts à 1 au tableau d'affichage, c'est 3 buts d'écart déjà. Et pour l'équipe du Milan, c'est la 70e minute de jeu. 1 pour l'équipe véronaise, 4 pour le Milan. C'est Milan qui fait changement tout, qui fait sortir. Et on est en coup Bigli avec Locatelli et changement dans l'équipe véronaise. Il vient avec le 218 à la place de Castro. Que n'a pour identifier pour tout à l'heure, les amis téléspectateurs, ballon contre l'épargne. L'équipe véronaise, la passe sur le côté gauche, attention à ce centre. Et intervention du côté de l'équipe milanaise, ballon contrôlé. Et par la formation véronaise, attention à cette passe sur le côté droit. Maintenant, passe un peu contré. Et ballon contrôlé par. Le joueur de l'équipe à Véronèse, ballon toujours contrôlé par les Véronais. La passe à droite est sur monsieur, alors c'est en direction de Walter Birsa, ancien joueur équipe Milan AC qui fait équipe Limal même. Et 71e minute de jeu, 4 ans pour le Milan, 1 pour l'équipe de Kiev. La déviation est de manière instantanée. Et bonne passe à droite. Et la remise en pleine surface. Et de, je suis donc côté dans l'axe, ton garçon. Mais quand on sait le côté. Maintenant qu'on n'est pas équipe Véronèse, non. KBC est construit avec de petites passes courtes et précises. Pour dans quelle mesure capable d'interpréter la défense milanaise, mais qui n'est pas facile. Et entre temps, si on couvre un avantage, équipe Milan AC. Pendant qu'on a regardé Ricardo Rodriguez, qui a replacé le livre rapidement, n'a poursuivre et tentative de passe en talon de la part du joueur de l'équipe Véronèse est là. Il va la faire monter Ricardo Montolivo. Monsieur ça, qui au départ est parti comme étant un bon footballeur, un bon milieu de terrain défensif, mais qui vient de trahir et par des blessures à répétition. Donc, c'est Souzo qui a sorti. Souzo, auteur de grand match pour l'équipe du Milan AC. Juste à, et qui fait un goal. Et sous l'autre goal, là, c'est lui-même qui fait centre tir, là, qui a fini sous tête défenseur, là, qui a filet. Donc, on dit que Souzo
font gros match. On a regardé la Ricardo Montolivo. C'est ça, son machin boule gueule derrière. Montolivo dans Fiorentina. Son magasin est tête chargée, transféré dans Milan. Mais finalement, le rivé. Et monsieur qui n'a pas blessé. Et a pris des blessures à répétition. Et fait plusieurs mois à l'infirmerie. Et lorsque il retournait, il a du mal à retrouver la forme que le gagné auparavant. Attention, il y a un coup franc d'avantage qui vient dans. Le coup franc est soulevé. Coutet! Et non, ballon a fini sous le bâton de la salle. La frappe à nouveau. Ballon opposé à la frappe. Qu'est-ce que c'est le tir? Ballon capté par Donnarumma. Et là, qui est au Véronique Cabon? Qui est voté Cabon sous action ça? On a poursuivre. Et coup franc mené. Un bon coup de tête. Cal finit sous le bâton transversal. Un bel coup de tête. De la part de Nenad Tomovic, qui a fini sous bas transversal. Hein. Et donc, ça fait un son coup de tête, Icardi mettait hier pour l'équipe Inter de Milan. Et qui a fini sous poteau. Ballon contrôlé par l'équipe qui environne pas sa fête au milieu. Attention à ce contrôle réalisé par le joueur d'équipe de qui environne. Tandis que l'équipe Véronesio et Bagay pas bon bouillot pendant la journée ça. Et puisque hélas lui-même est tombé face à Atalanta et même qui est voulu sur le capable de prendre pas le même lacé. Attention à ce centre en coûté en déviation. Qui m'a prouvé finalement, c'est un joueur qui veut arriver, lui contre les ballons pour l'équipe qui environne. À son fait, à partir du propre territoire de l'équipe milanaise, la passe de Tomovic qui est dans le terrain, il était joint et Radovanovic. On attend le centre du côté de l'équipe véronaise, la déviation. En retrait, en surgre, et le coin d'équipe véronaise n'a pas à gauche. Contrôle du gauche un peu manqué de la part de Alessandro Gamberini qui combiné. On attend le centre. Ballon dégagé calmement par la défense milanaise qui met le ballon en touche. L'avantage équipe véronaise. Non. Touche bien assuré par Gobi, le 218 de l'équipe véronaise qui était remplacé dans le match Bolsa. Et on verra son qui relève. Et Castro Lucas, ballon contrôlé par l'équipe milanaise, attaque du côté des Milanais, petite passe sur le côté gauche, la déviation de manière instantanée, et ballon profitable à la défense milanaise, qui avait essayé de mettre pression, et n'a gardé là vraiment, manager équipe véronaise, qui a passé consigne, semble-t-il, en éventuelle égalisation. Mais qui côté, c'est 3 minutes de camp et a mené sous coach. C'est un peu compliqué, ballon contrôlé par l'équipe du Milan. C'est la passe en retrait du côté des Milanais qui avait essayé de faire passer le ballon. Attention à cette remise au milieu sur Ricardo Montolivo, que nous déconnaissons tout, qui était gagné opération. Un joueur qui tirait de manière lointaine, qui était une frappe limpide, et qu'on fait mal à un pile équipe, mais blessure trahi, monsieur Yann. Ballon Ricardo Montolivo, la passe, mais une mauvaise passe du côté de l'équipe milanaise. Ballon en bras, fin en touche, l'y aller en touche, un avantage, équipe véronaise, non, qui va la surabner par, et Gamberini, Alessandro, et pour l'équipe véronaise, Gamberini, lui font longue touche, coup de tête en déviation, ballon profitable à l'équipe du Milan, c'est en défense, petite passe, et du joueur de l'équipe milanaise, ballon contrôlé par l'équipe milanaise, attention à cette passe en défense, le prolongement sur le côté droit, maintenant ballon un peu contré, la déviation de manière instantanée, ballon calant touche, l'avantage. Équipe Milan Seyan, pendant que joueur qui est bon lui-même, là pour replacer convenablement, ballon contrôlé par la défense du Milan Seyan, la part de Matteo Moussakio sur Romagnoli Alessio, qui s'est bien capitaine de l'équipe football, là, après la sortie de Souza, attention, et ballon contrôlé par l'équipe du Milan, avec Kalinic qui joue en retrait, et bonne passe du côté milanais, passe au ras du sol, la déviation sur Franck Kessié, Kessié qui joue en. Et nous voyons ça, Calabria fait prolongement vers Franck Kessié. Attention, Franck Kessié, Kessié, Kessié toujours, il met des passes dans. Attention, maintenant je vois la patate suivre attentivement action, l'hyperdule. Mais quelle fin de corps, faut que nous saluons tout. Je voulais vous montrer ça, de la part de footballeur équipe véronaise dans, pour le cap défait ma cage. Deux joueurs gommés lancés et vous l'avez adressé. Une passe bien précise et pour coéquipier le lancer superbe de la part de ce défenseur de l'équipe véronaise dans.
contrôlé par l'équipe milanaise. Échappement de Ricardo Montoli. Nous connaissons jouer vraiment. Il est toujours qu'on joue, mais blessure Traili. C'était un très bon milieu de terrain. Attention, car il met des ballons, en profondeur pour monsieur. Non, c'est pas vrai ça, Lanoglou. Il met des ballons, il met des coups de tête pour lui. Et on connaît le bon jeu de tête. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan. C'est Yuegui Ballon avec Alessio Romagnoli. Donc, Alessio Romagnoli. Et qui lui-même tape essai contre le ballon ça. Ballon contrôlé par l'équipe. Ballon contrôlé par la formation du Milan. Le centre en danger. 5 buts à 1 possible là. Aline Vire le tirer. Maintenant c'est contré. Ballon profitable à l'équipe du Milan qui continue à pas mettre pression sur l'équipe Véronèse. Non. La passe est sur et Akan Salanoglu qui met les passes dans le terrain. 78e minute de jeu. Bientôt 79e minute de jeu. 4 pour Milan, 1 pour l'équipe de Kiev-Vérone. Ou sous antenne, Téléboulan, Téléguinée. On va suivre match qui met aux prises. Milan, c'est face à et formation véronaise. Attention, la passe d'attention sur contrôle réalisée par le joueur de l'équipe du Milan. La déviation dans l'axe du terrain. Ouverture sur le côté droit. Ballon contrôlé par la formation en du Milan, c'est qui va loin. Et sur le côté gauche, la déviation de manière instantanée. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan. La passe est à partir du rond médian. On va dire sur le côté gauche vers Ricardo Rodriguez. Ricardo et qui joue dans le jeu de ça. Franck Essier, tacle en fête au dépens de Ricardo qui perd le ballon. Hein. Ballon contrôlé par l'équipe véronaise qui joue le ballon là, à partir de propre et territoire. Équipe Milan Seyant avec la faute de football. Mais les passes en profondeur, garçon. Je mettais la profondeur. Maintenant, passe imprécise. Passe qui pas réussi. Ballon qui allait en touche. Avantage équipe Milan-Séan. Qui normalement pas pressé. Puisque il y a mené. Et changement. Dans le camp de l'équipe du Milan-Séan. Donc il n'y a pas fait sortir. Et Kalini Twin avec jeune Croutonné. C'est Croutonné. Alors, c'est préférence André Silva qui est entré. André Silva, l'attaquant portugais, qui lui-même a été démarré sur le banc des remplaçants, qui est remplacé. Et Kalinic, attention, la passe d'André Silva maintenant. Avec l'entité qui est position avancée. Avec l'entité qui est position avancée sur action 1. C'est un avantage pour l'équipe véronaise. Attention, couvrant vite, beauté ballon contre le par la Véronée en défense avec. Dinad qui c'est pratiquement chef défenseur. La part d'Inad sur et Boteyan à César. La déviation. Ballon contre départ. La défense milanaise. Contrôle un peu manqué de la part de Hakan. Ballon contre départ. L'équipe milanaise maintenant passe à contrer. Jacques Aubon, c'est Salanoglou. La passe à danger. Et la frappe maintenant. Ballon contrôlé et par Sorrentino Stefano. Milan te café 5 buts à 1 à la papa. Rapidement, qui vous perd du ballon. Hein. Ça n'a pas dit pour ça. Ce match que Milan extrêmement à l'aise. Ce match qui facile en pile pour le Milan. C'est donc que tu mettais à terre Locatelli. C'était une intervention de la banque de Père Parim. Et témage comme joué en intérêt équipe. Et qui est Véronne. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan C en défense avec Matteo Moussakio qui joue en Calabria. Calabria et Moussakio. La passe en profondeur maintenant ballon à la touche. Et là, on a gardé Akan Kapal avec et Calabria pour le deal. Ou pas intérêt de mettre passe en contre mettre là, puisque vous avez une possibilité pour jouer là, au milieu, ballon contrôlé par Ricardo Montolivo qui mettait passe en profondeur. Une bonne passe pour André Silva. Silva le portugais. Et il y a trois mounes sous lui. Silva, ou pas qu'à bon là, m'a pas bon là, non, garçon, il va le tirer quand même. Mais le soutien, il mettait le sur Franck Kessé qui a tiré. Le tir de Kessé a contré. Kessé mettait la droite rapidement. Pendant que Sorrentino a fait coup de 100 bagol là, il a dit, mais je sais pas possible. Ou on veut un 5ème là. Nous ranger comme nous, un 5ème gol là. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan avec Hakan qui est passé en contre en direction de et Matteo Moussakio. Ballon pas sorti finalement. Et Abitlan pour la bonne décision là où il y a une faute. Oui, faute et carton jaune.
carton jaune pour le joueur Véronais. Oui, carton jaune. Oui, il y a une faute sur Mathieu Moussakio. Faute du joueur Véronais. Au dépend du joueur d'équipe milanaise. Il en a gardé Ricardo Montolivo. Rapidement, Koufran botte ballon contre les par l'équipe du Milan. La passe d'Alessio Romané sur Ricardo Rodriguez. Rodriguez qui joue à gauche. La passe au milieu. Le prolongement du côté de l'équipe du Milan C. Ballon dévié au passage. Contrôle intérieur puis droit. Ballon contre les par l'équipe du Milan C. 83e minute de jeu. 4 ans pour le Milan. 1 pour l'équipe de Chievo Verona. Ballon contre les par la défense de l'équipe du Milan C. Un ballon en calmement. Avec une passe en direction de Alessio Romagnoli. Qui est ballon, le mettait passe à gauche en direction de Ricardo Rodriguez. La passe est une mauvaise déviation du joueur Rossoneri. Tac, là, du côté Rossoneri. Et le ballon est allé en touche. Et sous intervention, ça, de la part de Alessio Romagnoli. Pendant que nous regardons la supporter Milan Aceo, qui a même a pas. Au vasonné équipe à football, yo. 83e minute de jeu. 4 ans pour le Milan. 1 pour l'équipe de Chievo Verona. Ballon contrôlé par l'équipe véronaise. Un dégagement du côté de l'équipe véronaise. Le contrôle du joueur de la formation véronaise. Attention à la passe. Danger pour l'équipe du Milan. Le centre. Ballon contrôlé par l'équipe milanaise. Gabessi contre-attaqué rapidement. Ça va très vite. Du côté milanais, mettez passe dans droite Gassom. Maintenant, je vois l'environner. Tant qu'on toupie pour mettre passe dans en direction de Calabria. Calabria jeune Akan. Akan et Calabria. Calabria jeune Matteo Musacchio. Matteo Musacchio Romagnoli. Qui va l'en calmement. La passe de Romagnoli. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan. C'est en défense avec. Aller sur Romagnoli qui ballon calmement et mettez sur Moussakio Pakale qui a bien sûr Donnarumma qui gagne plusieurs options de Vanni mais elle fait longue et ballon David la poitrine par un joueur d'équipe avéronaise alors que le décap combiné coûte la défense et soit en direction de Calabria ou du moins Ricardo Rodriguez pour une bandi dans l'axe avec Locatelli ou encore Franck Akessier ballon contre le départ l'équipe avéronaise mais pour qu'on réussisse pas ça autour. Et il faut que Océan Pensier et qui est très précis qui gagne et une très bonne relance qui ont passe précise et c'est que relance ou pas bon donc on va toujours mettre l'équipe là en difficulté et pour avancer on comme le terrain yo et dans duel aérien tout temps avec adversaire et la gain faute au dépens de Franck Kessier. Il y a faute au dépens de Franck Kessier. Et là, ce sont les supporters du club Rossoneri. Ballon contrôlé par les Rossoneri. Là, sur Alessio Romagnoli. Romagnoli qui joue sur le côté gauche. Attention, attaque du côté de la formation du Milan C. Petite passe de Fabio Borini. Ballon contrôlé par les Milanais. Une passe osée sauvée par Alessio Romagnoli. Ballon contrôlé par les Milanais en défense. Avec Romagnoli. Et Romagnoli qui est très sollicité en défense centrale. Ballon contre le départ. L'équipe du Milan avec Gianluigi Donnarumma. La roulante de Gianluigi Donnarumma sur le côté gauche. La passe en retrait. Et Serie A italienne, 10e journée de la Serie A italienne. Ballon contre le départ. L'équipe du Milan. Il faut dire que nous avons fait coupe. Et gagné Manchester City hier, qui difficilement fait tomber Wolverhampton et 4 tirs au but à 1. Après temps réglementaire, l'an fini 0-0. Donc, au terme du match football, il y a un Pep Guardiola ensemble avec Poulin Lio qui critiquait ta ballon en pile. Il dit c'est ballon hein, qui cause tout le bagage. Monsieur dit ballon pas bon non Bill. Il dit ballon pas bon. Il a tout dit ballon ça à la veine en Afrique. On met offre n'importe monde, il n'y a aucun monde qui va accepter. Il va avoir le ballon ça. Et donc Pepe qui t'est parlé en pile de ça. Et entre temps, il y a un télescopage là entre
jeune Calabria avec un autre joueur véronais. 87e minute de jeu. Bon, Milan sur route là pour faire un bon bec. Et face à l'équipe véronaise là. Bon, là c'est compliqué. Bon, président Kévo à lui-même, il est retiré pour lui. À 4 à 1, on a joué 88e minute de jeu. Il n'y a pas de gaspoir encore. Le président comprend qu'il n'y a pas de gaspoir encore. Là, c'est Vicenzo Montella. Son j'ai mis juste à te former. Et on duo d'attaque avec Batistuta Naoma. Il dit qu'on a fait avec Douta et Naoma. Vicenzo Montella, on a gardé là Leonardo Bonucci, qui est même président de la tribune officielle, qui a suivi et nouvelle équipe qui a joué. C'est la première saison Bonucci sous couleur équipe Milan C1. Là, on a poursuivre vraiment et quelques beaux gestes, quelques bons contrôles. Songez, à l'époque Montella a joué au football, juste avant de qu'on fait les beaux jours de l'équipe et romaine. C'était un excellent buteur qui engageait le Cunha dans une carrière d'entraîneur. Donc, il n'a pas dirigé l'équipe Milan C1. Et là, le match a toujours campé. Semble-t-il, situation Calabria était beaucoup plus compliquée, contrairement à ça, tout le monde a avancé. Puisque nous, jusqu'à date, Calabria, Gritti et Souterrain à recevoir soin. Là, c'est grand investisseur Milan Aseo qui est présent également, qui a suivi l'équipe football. Vicenzo Montella. On a regardé là Romagnoli en conversation avec le directeur de jeu. Leonardo Bonucci, le gars de Vicenzo Montella. Où elle a joué au football de jeu. Ce monsieur a toujours été. Toujours été jeune garçon. Hein. Et match a toujours campé. Et c'est deux minutes de temps arrêt de jeu que l'arbitre central lui même lui a accordé. Calabria qui pourra la sortir sur blessure. Jeune Calabria. C'est un jeune défenseur latéralois. Et là, on était la mettre où mettre fêté. Ou qu'a fêté la Montella. Et là, on a regardé. Bon, explosion visage, monsieur Zadi. Bon, qui est-ce que tu as là pour Calabria a frappé Dieu dans le niveau ça. Et là, on voit le but de Nicolas Kalinic, une frappe de l'extérieur du droit. Je suis vraiment qui était là. On revoit le but de Walter Birsa suite à une mauvaise passe en retrait de Franck Caissier que nous n'avons réellement reproché trop bagaille dans la mesure où ils font un match de football. D'ailleurs, l'erreur est humaine, à mon sens, les patates j'aime bien volonté pour le adresser et ils ont passé pareil à un adversaire pour faire mal à l'équipe. Oui, Calabria sorti sur la blessure. Mais l'émission qui souci via là. Bon. Calabria, félicité par quelques jeunes supporters milanais. Et le jeu. Et le jeu est vite repris avec une ambulance signée Gianluigi Donnarumma.
Ballon contrôlé par le portier de l'équipe de Kéoviron, la passe en défense centrale. Ballon contrôlé par l'équipe avironaise avec Nina Tomovic. La passe de Tomovic en profondeur. Mais ballon un peu mal négocié par la défense du Milan. Ballon contrôlé par l'équipe hors du Milan C. Le ballon est renvoyé dans le camp de l'équipe milanaise. Et Gianni Donnarumma pour l'équipe du Milan. Alors, je pense que les fanatiques du football en Haïti apprennent tout ça qui fait là. Et Abidjan a accordé deux minutes de temps additionnel. Déjà, nous avons 93e minute de jeu, mais et pendant qu'on a accordé 2 minutes de match à camper, et seconde cap passé, il va le compter le bourgeois convenablement. Donc, ce match qui a fini dans la 95e minute pour 2 minutes de jeu convenablement. Et nous sommes de combattre comme ça qu'on fait pour l'Olympique dans le stade d'Ivocator. Son match de football. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan. La déviation en retrait sur Hakan Çalhanoğlu qui met des passes en défense. Ballon contrôlé par l'équipe du Milan. C'est attention à cette relance du côté de l'équipe milanaise. Le ballon est dégagé et par le capitaine de l'équipe véronaise. Et c'est une touche en faveur de la formation du Milan. Donc, et c'est fini. C'est fini entre le Milan AC et l'équipe véronaise. Score final, 4-1 en faveur de l'équipe du Milan en déplacement. Et dans la 10e journée, c'est à l'Italie. T'es bien content avec vous. L'année sportif, la victoire était branchée, Télé Guinée pour la suite de la programmation. Au revoir tout le monde. Radio Télé-Guinée, c'est Ronde Centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé-Guinée respecte les règles là. Il n'est pas attaquant, il n'est pas qu'à bailler gol pour. Il n'est pas demi, il n'est pas qu'à mener jouet pour. Il n'est pas défenseur, il n'est pas qu'à barrer attaque pour. Il n'est pas gardien, il n'est pas qu'à barrer gol pour. Il n'est pas fanatique, pas mandel pour le chauffer équipe pour, ni relé Charles Barré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe pour. C'est où pour choisir équipe pour. Radio Télé-Guinée, c'est Pigo Stade là, Pigo Terrain, Pigo Tribune, côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit bailler gol, qui doit prendre gol, vin centré. Radio Télé-Guinée, c'est One Centre là dans tout pays. Respectez les jouets là.